On est face à la boutique et dans notre dos, c'est le terminus du tramway. Vous voyez quelques CRS déployés. Ça s'est un petit peu calmé, mais malgré les 1500 forces de l'ordre qui étaient déployées ce soir, CRS et policiers, c'est beaucoup plus qu'un match habituel. C'est même plus que lors de l'Euro qui avait lieu en France l'été dernier. Eh bien, les incidents qu'on redoutait se sont produits. Ouais, je suis gaz à l'intérieur, ça tourne un petit peu assez. On a nos familles au stade, on a pour certains nos enfants, donc c'est des choses qu'on ne veut pas voir du tout. Pour qu'il y ait plus de 20 000 supporters adverses dans notre stade, c'est déjà quelque chose d'incompréhensible. Je suis un peu dépité par ce qui se passe en ce moment, voilà, par rapport à ce qui s'est passé avant le match, parce que ça ne correspond pas du tout à l'idée que je me fais du sport et du foot en particulier. Je crois que ça doit être avant tout un lieu où les gens doivent pouvoir venir en toute tranquillité pour assister à un match, à un spectacle.
Et voilà, quand on vit ce genre de moment, on peut être qu'un petit peu dépité, déçu, désolé. Le contexte anxiogène a été créé par un certain nombre d'anomalies qui ne sont pas dues au club de l'Olympique Lyonnais, puisqu'on a vu arriver des supporters qui n'étaient pas prévus, qui n'avaient pas de billets, qui ont pu rentrer avec la complicité, évidemment, d'autres qui avaient obtenu un certain nombre de billets, mais qui les avaient obtenus en France, alors que ces billets-là à l'étranger étaient interdits, puisqu'il y avait du côté de l'Allemagne en particulier un risque d'avoir des gens qui n'ont rien à faire dans un stade. On a vu un certain nombre de bagarres d'ailleurs à leur origine quand ces supporters allemands sont arrivés. Ils se sont réfugiés quand la police a essayé de les empêcher d'entrer dans la boutique. Ils ont tout cassé. Et puis par la suite, ce qui a été extrêmement grave, ce sont les jets d'engins pyrotechniques, d'engins qui ont brûlé nos supporters, qui ont fait des dégâts considérables et qui a engendré ce mouvement de panique qui a fait que les portes, ce qui est fait pour, se sont ouvertes. Donc les supporters sont réfugiés sur le terrain, plus par peur, parce qu'il y avait énormément de blessés, énormément de gens qui avaient été touchés par ces projectiles. Donc il était du ressort de celui qui a la responsabilité pénale et la responsabilité de l'organisation, d'essayer de tout tenter pour que les choses se calment. Beaucoup discuté avec ses supporters. Je leur ai dit que personnellement, j'allais aller dans la tribune et donc s'il y avait des dangers, je serais le premier exposé et que je ne trouvais pas normal qu'ils ne m'accompagnent pas dans la tribune. Et en fait, tout le monde a eu une attitude extrêmement positive. Tout le monde est revenu dans la tribune. Le préfet de police a repris en main l'ensemble du secteur du troisième niveau en faisant en sorte que les Turcs ne lancent plus ces projectiles et tout a pu rentrer dans l'ordre. Donc voilà, sur la partie, je dirais, opérationnelle. Bon, déjà, nos supporters sont interdits, ce qui est complètement illogique et inéquitable de déplacement. C'est un comble d'être interdit de se déplacer en Turquie parce qu'il y a des risques qui ont été générés ici par les fauteurs de troubles. Donc voilà, donc j'ai totale confiance dans l'UEFA. Je pense qu'il y aura des décisions de prise. Dans toute l'Europe, la presse est scandalisée par l'image catastrophique donnée en tribune. Photomac renouvelle sa une d'hier avec un aigle attaquant Lacazette sur une photo de l'envahissement de terrain qui a eu lieu avant le match. Même image en Italie, en Espagne, au Portugal ou en Angleterre où l'on retient notamment cette photo d'une jeune supportrice de l'équipe turque au cœur des affrontements. Violence, chaos, peur, voilà quelques mots utilisés pour décrire cette triste soirée. En tant qu'organisateur, on porte une responsabilité, sauf que, en l'occurrence, il est manifeste qu'on a été victime d'agressions, non pas de supporters, mais de hooligans turcs, et que aussi bien les éléments vidéo que les officiels de l'UEFA ont pu assister à ce qui s'est passé, et donc la responsabilité finale sera déterminée par la commission de discipline de l'UEFA, puisqu'il y a une instruction disciplinaire qui est en cours. Déjà, je ne sais plus quel est le nom du groupe, là, Ultra Carci. Un certain nombre de ces membres-là avaient des billets dans l'espace visiteur. Donc, c'est des billets qui ont été commercialisés par le club de Beşiktaş. Et ensuite, il y a eu des difficultés à appréhender, notamment par la police, un certain nombre de ces hooligans-là au regard de leur violence et de leur déplacement ultra rapide, quoi. Chaque club est responsable de ses supporters. Donc à partir du moment où il y a une identification claire du club, les règlements de l'UEFA sont très clairs sur le sujet. C'est la même chose en France. Et en l'occurrence, c'était facilement, aisément identifiable. Un groupe de 40 à 50 qui a forcé le contrôle d'accès et les agents de sécurité qui étaient à l'entrée. À un moment donné, 50 face à un dispositif, quand on voit le profil des supporters en face, on n'a malheureusement pas réussi à les contenir. On était sur un millier de stadiers dans le stade et sur les abords pour gérer le public. C'est un dispositif équivalent à un dispositif euro. Donc mettre 500 ou 1000 stadiers en plus, d'abord, moyen humain, ça n'est pas possible. Je pense que la volonté de ces supporters était telle que de toute façon, ils auraient réussi à obtenir ce qu'ils voulaient à l'arrivée.
Les forces de l'ordre, ils étaient plus de 700 policiers sur les abords et présents sur le podium pour nous aider à gérer. Ça a bougé de partout. Il y a eu des incidents de partout avec les supporters turcs présents. Donc je pense que de toute façon, même avec les 700 policiers, pour vous dire, on n'a pas réussi à contenir ce groupe-là. Donc il y avait une vraie volonté de ce groupe-là qui a réussi à obtenir ce qu'elle voulait. Les premiers incidents ont eu lieu à l'extérieur à partir de à peu près 18h30, 19h. Quand les premiers supporters turcs sont arrivés, on les a vus sortir des rames de tram fumigènes à la main, revendiquant et provoquant, ce qui a entraîné une première réaction des forces de l'ordre, bien évidemment. Et on a eu aussi un autre incident lorsque les services de police ont reconduit un groupe de supporters turcs au moment où ils sont passés. Ils ont créé des incidents. Donc les premiers incidents, c'est quand même les supporters turcs qui les ont créés. J'ai deux stadiers qui ont été effectivement agressés, dont un... gravement brûlé par un supporter turc qui s'est simplement avancé vers lui et qui, avec deux fumigènes à la main, et qui l'a brûlé ouvertement. Donc on va étudier les images là-dessus pour essayer d'identifier les personnes. Après, on a eu effectivement des blessés par rapport au jet de pétard, mais ce sont des blessures normalement très légères. Donc il y a eu, je pense, côté sud, une grosse peur, ça je la comprends, qui est tout à fait justifiée. Heureusement, on n'a pas eu de victimes sérieuses par rapport à ces jets-là.